Donc, on va voir si les poupées changent de couleur. Donc, voilà, dans l'eau froide. Wow! Elles changent entièrement de couleur. C'est trop belle. Coucou les amis, c'est Melinda et c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo en compagnie de ma soeur Lola. Donc, on espère que cette vidéo va vous plaire et on se retrouve avec la suite. Les poupées LOL, donc c'est les nouvelles poupées LOL, donc c'est la dernière série avec les poupées qui ont des vrais cheveux. Donc c'est parti, on peut commencer à déballer. Donc là, ouvre ta boîte. Donc il y a une ouverture facile. Ouh, c'est quand même assez compliqué à déballer. Attends, je vais faire par la face en bas. Comme moi. Il y a beaucoup de trucs de papier. Je ne sais plus où elle est la tirette. Ah, elle est là. Oui. Ah, c'est bien. Oh, c'est bien. Je crois que j'ai ouvert ça. Non, on va faire encore ça. C'est pas grave, on va tout déballer, on va tout déchirer. Comment ça se fait que t'as plus facile que moi? Ah, là, elle est la tirette. Attends, mais moi... Donc, il y a deux couches de papier. Donc, c'est pas les mêmes papiers, regardez. Ah, moi, je préfère les deux mêmes papiers. Tu me dis si t'as dur, hein. Là, ah, voilà. Bien, là, donc voilà le papier. Il est assez joli. Hein. Donc il y a deux autocollants, je crois. Non, ça c'est l'indice mystère. Moi, donc, pas c'est une boîte, un carton avec des affaires plus un lapin. Donc il y a écrit c'est quoi en anglais, mais en fait je sais pas dire. Il y a écrit Messibune. Donc c'est que ça parce que j'arrive pas moi. Ok, attends, je vais t'aider. Ah voilà, tire là. Tire fort, tu te forces. Attends, mais moi je veux pas. Ah voilà, là c'est le deuxième emballage, j'ai beaucoup plus facile à ouvrir. C'est dur, dur, trop dur. Voilà, j'ai réussi. Et là, je crois que tu peux encore m'aider. Oui, je vais t'aider. Attends. Parce que là, il y a tout plein de trucs, on va tout mettre de côté. Donc, il y a un petit papier avec une poupée. Et là, je crois que c'est des autocollants. Oui, c'est des autocollants, donc un serre-tête. Et deux et trois petites pinces avec des petits dessins. Attends, et attends, voilà. Aussi, voilà. Ouf, je vais faire comme c'est ça. C'est ça, on fait tout seul, ça tenait pas très bien. Hein. Donc je voilà, c'est un spray de la laque. Ok, un de la laque, un fausse laque. Donc j'ai déjà une surprise que je vais mettre là. Et ça aussi. Donc en dessous. Manda, vous laissez cela. Ah donc c'est bien, on n'a pas la même poupée. Ouf, c'est bien. C'est déjà une bonne chose. Donc je vais l'attendre parce que sinon on va pas autant attendre. Donc c'est déjà une chose. J'ai déjà déballé ma première surprise. Okay. On va voir c'est quoi. Ah, c'est pour mettre ici pour déposer la poupée dessus. Donc voilà, c'est pour mettre déposer la poupée dessus pour qu'elle tienne debout. Et ça, c'est la chaîne qu'on peut mettre ici, je crois. Accrocher pour qu'on sache la tenir. Le papier est tombé. On va mettre ça. Voilà, j'ai réussi enfin. Bon, c'est un peu dur à mettre. La loupe, elle est comme ça, la Mimi. Ah, tu l'as? Tu l'as eu où? Elle était tombée ici. Ah, elle est là. On a. Voilà. Une loupe. Et il y a des paillettes dessus, donc c'est pas laissé. Quand je fais ça, on voit des paillettes. Donc c'est bon, t'es là au même endroit que moi, ouvre ça. Hop là, ouvre ça maintenant. Pas ça, ah on met là. Donc là, on va en mettre tout ça là. Ça ici. Non mais pas ça, c'est trop dur à mettre. Donc et ça. Ah oui, ça c'est pour mettre là, pour que la poupée elle tienne debout. Hop là, maintenant tu ouvres ici, je crois. Il faut que tu tires là. Un. Merci de là, vous m'honorez. Donc maintenant on met ça là, on va ouvrir après, on va mettre tous les sachets là. Il y a beaucoup de sachets hein. Et puis là c'est la poupée, quand t'as la poupée tu... Non, tu ouvres là. Ok. Donc... comment on ouvre? Vas-y, vas-y. Ça fait comment? Oh. Ah, c'est trop bien. C'est les petites boîtes. Elle est belle. On a la même. Oh. Non mais c'est pas la même dedans, je crois pas. Je crois pas que c'est la même. Quand j'ai... Non, pas.
voilà, on a les mêmes. Normalement, normalement, c'est pas la même. J'espère pas. Moi j'en ai mes chaussures d'abord. J'ai peur. Non, moi j'ouvre d'abord ça. D'abord le bas. Montre. Attends, mais tu ouvres trop vite. Moi j'ai envie d'avoir la surprise, tu vois. Donc ça en fait c'est un déguisement en plastique. Elle est trop belle. Oh, elle a de jolis cheveux. Et en plus elle est rouge. Donc voilà la poupée de Lola. Attends, ouais, mais toi, t'ouvres trop lentement aussi. Mmh. Regarde la mienne. Elle a les cheveux roses. Ils sont durs. La mienne. Regarde la mienne. Donc voilà les deux poupées. Tu ouvres quoi? La petite boîte. Vous avez ça où? Oh là. Oh là, elle sait tout, hein. Moi, je connais rien. Ah, c'est un biberon de la course. Montre. Biberon de la course. Ah ouais. Donc il y a... Donc je vais montrer le biberon. Attends. Je vais montrer le biberon. Voilà son biberon. Hein? Oh là là. Tu vas vite. Moi j'ai pas le temps de t'ouvrir, que t'as déjà tout ouvert. Ouais. C'est trop drôle. Allez, vas-y, moi j'ouvre ça maintenant. Parce que là, elle va trop vite. C'est pas la suite. C'est très bien. Attends, je brûle, elle est tombée par terre. Donc voilà, c'est le pen, donc c'est un pen blanc, tout simple. Oh oh. En gros, c'est le dessus de la poupée. Le mien, c'est un nœud papillon. Ouais, mais oui, c'est tous des nœuds papillons. Le mien, il est bleu. Voilà, très calmement. Ouais, il est bleu. Ça, c'est bleu. Oh, le biberon, il est trop beau. Regarde. Donc voilà, le biberon, il est blanc avec des points roses. Là. Ça chère. Moi, c'est bon, ça chère. Ah, je crois que c'est les chaussures, ça. Donc, c'est deux paires de bottes roses avec des lignes blanches. En tout cas, c'est très girly, hein, tout ça. Ah, la tenue. Mais là, t'arrives pas à les belle, hein. Donc, voilà la tenue. Pourquoi elles vont faire des tenues pour moi, comment ça? Tu fais juste ça, tu tires dans le sens opposé. Regardez ma casquette. Et moi? Oh, elle court. Regarde là. C'est un serre-tête avec des oreilles de lapin. Yeah. On va mettre tous les papiers sur le côté et on va l'habiller. Ah non, d'abord je vais vous montrer toutes les poupées qu'il y a. Mmh. Elles sont belles. Moi. Donc Lola, t'as eu celle-là, regarde. Et moi j'ai eu celle-là. Regardez. Voilà toutes les poupées qu'il y a. Attends, d'abord je monte. Okay. Moi, il peut y voir. Et là, c'est comme ça. Donc, je trouve qu'elle est assez sympa. Regardez mon habit à moi. Il est très joli. Regardez. Ah ouais. Donc, voilà, moi, je vais commencer à habiller ma poupée. Mais j'aime pas, regarde. En fait, c'est la même chose qui va plus vite comme moi. Hop là. Donc, mon voilà, il y avait un support pour mettre les habits au-dessus. Ok, c'est des baskets. Regardez. Ils ont des carrés. On va essayer de mettre bien. Trop belle. Je sais pas si dans quel sens je vais regarder dans la notice pour voir si c'est dans quel sens je mets. Je sais pas comment ça se fait. Ah, c'est dans ce sens-là. Ok. Je crois qu'on a un peu compris. Moi, ça veut pas rentrer vraiment. Moi aussi. Ah voilà, donc j'ai fini. Donc regardez ma poupée en billet. Donc je vais la mettre sur son support. On va bien mis ça en haut. Ouf. Donc voilà la poupée sur son support. Et maintenant, je vais mettre son biberon, juste là, et son pen. Et je vais essayer de mettre ça à l'intérieur. Bon, tiens. Donne. Mets déjà ça, tiens. Mets ça comme ça. Allez, dépêche-toi. Voilà. Allez, vas-y, termine là.
qu'on avait oublié de mettre le pen et le bracelet, donc maintenant elle est vraiment finie. Donc voilà, t'aimes bien ta poupée? Oui. Et t'aimes bien aussi la mienne? Oui. En tout cas, moi je les aime bien toutes les deux. Et vous, n'hésitez pas à dire en commentaire laquelle vous préférez. Donc voilà, on va voir comment s'appellent nos poupées. Donc la tienne, elle s'appelle Skyburger. Et la tienne? Et la mienne, elle s'appelle Snow Bunny. Donc voilà, toute la liste de toutes les poupées. Donc c'est parti, on va voir nos poupées de plus près. Donc voilà ma poupée. Donc c'est une assez... c'est une que j'ai jamais vue. Vu que ici c'est tout doux, c'est une matière douce. Là, à ses poignets, à son col et ses petites chaussures aussi. Donc c'est une tenue nuit plutôt. Voilà le biberon. C'est tout petit. Ça fait presque sa taille, c'est un peu bizarre quand même. Et le pen, il est blanc tout simple. Donc ses cheveux sont bien laqués, donc c'est vraiment dur. Quand je pousse fort, comme vous pouvez voir, ben, ça bouge pas trop. Et en fait, la petite brosse sert à brosser les petits cheveux devant vu qu'ils ne sont pas du tout laqués. Donc voilà ma poupée. Donc voilà la poupée de Lola. Donc voilà sa casquette, elle est dure à mettre, mais voilà. Donc elle a les cheveux pas très laqués. Enfin, c'est pas comme la mienne, elle est assez molle, ses cheveux. Donc on va enlever la casquette pour que vous voyez bien ses cheveux, ses beaux cheveux. La casquette, elle est comme ça. Donc, drapeau et voilà la casquette. Donc, elle, c'est fait pour la mettre à l'envers, pas à l'endroit. Enfin, le là peut changer, mais dans la notice, c'est la casquette à l'envers. Puis, elle a son petit bracelet rouge. Sa tenue est bleue et verte. Donc, elle n'est pas douce, c'est tout normal. Et bleu foncé, lui. Donc, voilà son biberon. C'est un peu le même style que sa casquette. Et le pen, il est bleu. Donc voilà pour la poupée de Lola. Donc on va voir si les poupées changent de couleur. Donc voilà dans l'eau froide. Wow, elle change entièrement de couleur. C'est trop belle. Voilà, dans l'eau froide et dans l'eau chaude, elle redevient tout à fait normale. Donc j'aime bien, je trouve qu'elle est trop stylée, qu'elle change de couleur. Donc je vais enlever les glaçons pour que vous voyez de plus près. Waouh, sa tenue est assez stylée. Faut pas mouiller ses cheveux. Non, j'essaye justement. Donc quand on le met à l'air libre, ben, ça reste normal. Donc voilà, ça coule partout. Donc je vais la remettre dans autre chose. Donc elle a assez beaucoup de motifs. Regardez. Oup là. Elle est trop belle. Donc ma soeur l'aime beaucoup. Elle espère que sa poupée va faire la même chose. Donc en mars, on a oublié de prendre des essuies par contre. Pas grave. Donc voilà pour ma poupée. Elle a des motifs assez beaux. Pardon, je vais mettre ma poupée donc dans je vais le mettre truc. Plus près de vous et je vais mettre maman en dessous pour que vous voyez. Donc voilà les motifs. Attends, on voit pas trop sa tête ainsi. Mais non, mais c'est pas grave, sa tête elle change pas. Hop là, et dans autre chose, elle redevient tout à fait normale. Et la mienne est très belle. Donc maintenant on va essayer avec la poupée de Lola. Attends, c'est moi Lola. Non, non, Lola. Alors c'est moi Lola. Ok. Mais d'abord dans l'eau chaude. Dans l'eau chaude, elle fait rien. Ouf. Et maintenant, dans l'eau froide. Oh! Oh, oh, ses cheveux. Elle a mouillé ses cheveux, ma gueule. Là, je vais montrer à la caméra. Elle a mouillé ses cheveux, ma gueule. Donc voilà, comme si vous pouvez voir. Et maintenant, on va mettre devant. Donc voilà. Elle a un haut et un bas. Donc en fait, on peut la laisser comme ça. Regardez, juste je touche. Et ça redevient normal. Et puis ça redevient. Donc voilà. Comment elle a poupée? Maintenant, on va mettre dans l'eau chaude. Dans l'eau chaude, ben, ça fait comme ça, comme avant, tout à fait normal. Donc. Mais j'aime bien le... Attends, remets-la dans l'eau froide. Ouais, ben, on va le montrer. Elle aime bien, j'aime bien le truc, là. Le haut. Ouais. Elle aime bien le haut, vu que c'est un peu feu, comme ça. Des splashes, comme des feux d'artifice. Ouais, donc elle aime beaucoup. Donc voilà, des poupées que vous avez vues de plus. Donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, partager, à liker, à activer la petite cloche pour recevoir une notification quand je sors une nouvelle vidéo. Et si ce n'est toujours pas fait, c'est très important de vous abonner. Bisous! Ciao!